Salut à tous, c'est Lyon69. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Let's Play sur Modern Warfare remasterisé. Aujourd'hui c'est donc l'épisode 8 de la campagne. Nous allons continuer, mais tout d'abord, petit résumé de la mission précédente comme d'habitude. Nous étions avec le sergent Jackson et son armée, l'armée américaine, qui font toujours siège au Moyen-Orient. Et nous devions escorter un char qui était resté bloqué en plein milieu de la zone ennemie, chose qu'on a fait sans trop de problèmes. Et donc tout de suite nous allons poursuivre. Mais pour ce faire, il faut que je choisisse la mission choc et effroi, étant donné que j'ai déjà fait un petit détour dessus. Donc si je choisis directement ici, ils vont mettre conséquence. Mais bien évidemment on va la refaire ensemble. Ça me pose pas de problème. D'autant que je l'ai fait un peu à la va-vite et que je n'ai pas récupéré les renseignements, donc il y aura un certain intérêt à la refaire. Allez, c'est parti. Marine, on a peut-être une info sur la position de la SAD dans la capitale. Le premier bataillon est en route. Les renseignements des SAS indiquent qu'à la SAD pourrait détenir une tête nucléaire russe. Il faut agir vite. Les équipes du déminage ont été déployées dans la zone. Les unités reconnaissance et de l'équipage ont détruit la plupart des défenses aériennes, mais les forces au sol d'Al Assad restent une menace. Bref, on va mettre le paquet. On chope Al Assad et on la termine. À vous de jouer, Marine. Choc et effroi, jour 3, 18h, sergent Paul Jackson. Information, on approche des objectifs. 30 secondes. Bandit, ici Serpent, on s'occupe des gros méchants. Couvrez-nous au Mar 19. Alors, comme vous pouvez le voir, l'armée américaine met le paquet. Alors, on va quand même se concentrer parce qu'il va falloir. Boubouler comme je peux le dire hein. Donc il va falloir utiliser le lance-boue comme il faut. Voilà. Là on a des... Donc ils mettent le paquet, ils sortent l'artillerie lourde, sauf que l'ennemi n'a pas forcément... Qui c'est qui me tire dessus là? Ah ouais, là-bas. Ils n'ont pas forcément envie de se laisser faire. Ouais, où ça? Ah là 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 là, je t'ai vu. Voilà, c'est bon, il est mort. Ah, il en a là. Ok, ça va. Non, non, non. Oh là là, j'ai pas le temps. Enfin, si, je vais tirer dessus, mais c'était trop tard. Donc, ils ont mis le paquet. Et donc, il va y avoir deux parties dans cette mission. La première dans l'hélico. Chose que j'apprécie pas forcément parce que. Enfin, pour deux raisons, tout d'accord, parce que on peut pas être très précis, et puis en plus de ça, il me la met deux fois de suite quand même. J'ai pas une vue exceptionnelle, honnêtement, de loin, autant vous le dire tout de suite. Donc, ah, c'est chiant, je spawn directement avec les. Attention, encore de l'infanterie. Alors, il faut que je m'occupe de cet enfoiré là. Voilà, parce que. Une fois je veux bien, deux fois ça fait quand même beaucoup. Alors là il y en a un. Ok, alors on est plutôt pas mal. Là, ça aussi, hop, on peut tout péter. Ok. Casse-toi, là, je t'ai vu. Voilà. Alors par contre il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai fait cette mission, parce que... Première fois que j'ai fait cette mission sur le remasterisé par rapport à la version d'origine, c'est les graphismes. Honnêtement, c'est ça a absolument rien à voir. Je trouve ça magnifique. Regardez, franchement, admirons ça ensemble. Ah, merci de m'avoir filmé ce petit char. C'est magnifique, franchement. Je trouve ça complètement bien refait. Enfin, c'est. Voilà, hein. Franchement pour ceux qui ont joué à l'époque, ils comprennent. Hein. Alors ici, on lâche des unités au sol. Alors là, il y a de quoi faire, hein. Les chars, les troupes au sol, les hélicos. On est vraiment pas loin de
de choper Al-Assad. Alors nous on va rester encore un peu en l'air, à se faire plaisir hein. Ah. Là franchement regardez moi ça, c'est pas magnifique ça. Honnêtement hein. C'est magnifique, ça a été complètement remanié. Et là les graphismes sont... Remarque-toi. Alors là je bourrine pour le plaisir. Et je crois qu'il y en a qui spawn là en plus. C'est pour ça que je tire là. Ah bah là je peux plus tirer. On a mis un stop. Alors maintenant on est au sol. Allez mesdemoiselles, on va chercher nos petits copains et on met les voiles. Ça, c'est ce que j'adore. Alors par contre. Tire de mortier, on approche. La ZA est trop chaude, on revient dans 3 minutes. Il faut que je sois beaucoup plus attentif. Au niveau des renseignements. Alors attends, parce que là on se fait bourriner dessus là. Non. Là, ça. Alors, vous l'avez sûrement reconnu pour ceux qui ont déjà joué aussi. Cette map là apparaît aussi dans le multi. Et d'ailleurs, sachez que c'est ma map préférée. C'est-à-dire que. Enfin, sur ce jeu là, hein, c'est la première map sur laquelle j'ai joué à Call of Duty. Voilà, cette map là, j'ai perdu le nom. Honte à moi quand même. J'ai perdu le nom de toutes les maps. Mais Alors là-bas. Là, c'est à dire que je suis en plein milieu de la rue sans problème. Alors, merde, la grenade, la grenade, ah putain. Ici, y a rien. Ok. Va falloir que je sois très attentif hein, parce que je vous avoue que j'ai pas été attentif à ça. Là, y en a pas. Vous verrez le nombre de campeurs qu'il y aura dans cette baraque en multi. Vous allez. Oh là là. Il m'en a mis qu'une seule. Vous allez voir, ça va être. Je vous le prends pour mille que ça va camper à fond là-dedans avec le R700. Cherchez Luca après des fumigènes de couleur. Allez, mesdemoiselles, on va chercher nos petits copains et on met les voiles. Ok, on va chercher nos copains et on met les voiles. Pas de soucis. Tire de mortier, on approche. Allez. La ZA est trop chaude, on revient dans 3 minutes. Ok. Ensuite. Hop, cadeau. J'en tue qu'un. Ah, si tu passes devant moi, toi. Oh non. C'est beau. C'est beau. Bravo, Lyon. Oh non. Ah, je vous jure, je fais pas exprès. L'outil laisse sa tête à chaque fois. Bon, je viens de gâcher deux flashs. Tout va bien. Il n'y avait pas un là. Non, il est mort. Bon, allez. Pourtant, ça tire encore. Il y en a un là. Oh là là, le mur qui résiste quoi. Ok, bon attends, on va passer là. Attends, parce que j'en ai vu un. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Bon, bref. Ah, ok, c'est un. Ah, oui, d'accord, c'est parce qu'il y en a là. Ok. Alors, avant d'aller là. Ok. Oh ce qu'il m'a mis. Oh ce qu'il m'a mis lui. Oh un petit colt. Oh, j'ai envie de tuer avec le colt mais j'ai peur que ça soit. Ah le colt 45 messieurs. Tiens bouffe. Ah j'ai un enfoiré. Oh il l'a pas pris. Ah mais il est déjà mort. Attends. On va quand même. Non. On va prendre ça. Oh là là mais aïe. Alors ceux qui connaissent ce jeu vont être choqués de souterrain. Ça a absolument rien à voir en termes de graphisme ce souterrain là. Alors là c'est des alliés. Oh le pont. Alors c'est vous le taxi. Non on va pas prendre le pont. Ah ouais, ça a absolument rien à voir. Si elle est comme ça en multi, on va se régaler. Alors. Ici. Ok, ici il y a la compagnie créole. Entière. Il y a même les Magic System. Ok, bon on va faire le ménage hein. Non. Mange ça toi.
Ok. Bah, vous nous faites chier avec vos grenades. Ah. Ah, c'est qu'est-ce qui est ça? Toi, casse-toi là-haut. Attends, parce que. Il y en a un là. Regarde-le, lui, on voit que le bout de son crâne là. Ensuite. Oh le peuple. Ça, c'est assez choquant là ce qui se passe. Il est encore en haut, je vois qu'il tire en haut. Ah ouais, il est encore là lui. Casse-toi. Toi t'es déjà mort. Ok, ensuite. Toi tu fais quoi là? T'es cru au marché ou quoi? Alors ce que je voudrais bien c'est qu'il n'y en ait pas à l'infini non plus. Je t'ai pas dit c'est toi? Ok, ça c'est la technique Black Ops 3. Oh, écoutez, j'en ai un peu marre là. C'est sérieux? Il me la met en plus! Oh non! Il me la met en plus! Oh, c'est magnifique! C'est à dire qu'il prend pas mon lance-boule? Ou alors je sais pas où il est parti le lance-boule. Ah, faut tout refaire, putain, il y avait un peuple fou en plus. Alors c'est vous le taxi? On y est, dégageons avant qu'il ne se regroupe. On va s'occuper des mecs au top d'abord. Je pense que c'est le plus important. Oh ouais! Ah, ça c'est. Hein? Ah, je l'ai pris la grenade. Ah, il y en avait deux, ils en ont lancé deux en même temps en fait. Enfin non, je sais même pas en fait, je sais même pas. Mystère, bon bref. Enfin, j'ose espérer que vous m'envoyez deux d'un coup. Alors, c'est vous le taxi? Non, les mecs au table d'abord. Dégageons avant qu'ils ne se regroupent. Waouh, 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 et les grenades, ça fait deux. Ah, il m'en a renvoyé, je l'ai vu en flagrant délit. Enfoiré là. Ok. Meurs toi s'il te plaît. Ça veut dire que je leur mets des headshots s'ils les prennent pas. Mais il est mort depuis tout à l'heure. Attends mais qui c'est comme cette chance? Ok, je vais manquer de balles, c'est ça le problème. On va te switcher hein, t'as que ça à faire. C'est par toi toi. Oh non 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 non. Ah mais y'en a combien là? Je n'ose pas avancer parce que... Oh là là, triple. Ok. Comme ça c'est plus rapide hein. On est d'accord. Ok, ah je me concentre. Là je vois que ça commence à se vider là. Non. Putain, il est encore au top peut-être. Arrête. Ah il est là. Oh le lance-boule, c'est ça que j'ai pris tout à l'heure. C'est le lance-patate que j'ai pris tout à l'heure, je suis sûr. Non non non. Ah ils font chier avec la grenade. Faut pas que je meure là, j'aurais vraiment les boules de mourir là. Maintenant. Ouais c'est au fond là. Allez avance, vas-y rentre. Un snipe? Ah, un petit snipe, c'est sympa ça, petit dargo 9. Encore que
sais pas si ça va être utile. Alors attends. Là je la sens pas du tout. Je sais pas vous mais moi je la sens pas du tout l'histoire là. Alors si tu trouves y'a personne mais tellement. Ah. Voilà là t'es sûr. Tellement Ah il y en a encore un hein. Faut arriver. Oh point de contrôle ici. Attends il y avait un petit toujours une chicha, bah ça ça change pas. Attends récupère la batteuse là. Aïe aïe aïe. Attends même pas. Ah t'es bien caché toi. On va recharger tranquillou. Ah il était bien caché celui-là. Alors et le deuxième il doit pas être trop loin je pense parce que il me semble pas que... Attends. Ça m'a pas mis un espèce de carré bizarre. Ça se trouve il est dans le bâtiment que c'est en train de protéger là-bas. Je pense. Voilà. Alors attends, où est-ce qu'on peut explorer? Le deuxième il doit être par là. Ah bah attends deux secondes. On est pas prêt. Oh RPG 7. Ça, vous risquez de me voir jouer avec hein, honnêtement. Sur le multi. Si ça me casse les couilles bien évidemment. Parce que je pense que on n'est pas dupes, tous. Non moi je parie que le premier il est. Je l'ai raté, il était là-bas. On n'est pas dupes, on sait très bien qu'avec la communauté qu'il y a maintenant. Attends je peux remonter ou pas? Ah je peux pas remonter. Ah non, malaise ça. Ah! Ah merde, j'espère vraiment qu'il est pas avant. J'aurais un peu les boules, honnêtement. Bah attends, là c'est bon, là c'est bon. Ouais, il y a une petite musique là. Attends, là je peux y aller aussi. Là y'a rien, ok. Alors attends, là. Là y'a personne. Bah non, bon. Ouais, ça va, ça va. Alors, ton Mark 19. Dit, nous avons un gros problème sur les bras, à vous. Je vous écoute, QG, à vous. L'unité 6 des SEAL a repéré un engin nucléaire dans le palais d'Al-Assad à l'ouest. Les équipes du déminage sont en route. Nos forces doivent se replier à l'est jusqu'à ce que l'engin soit sécurisé, à vous. On l'a touché! On l'a touché! J'ai perdu mon radar de queue! Je suis un enfant, hein. Oups. Elle va bien. On a un cobra à terre, je répète. On a un cobra à terre. Mais non, elle va bien. Bandit de 5, répondez à vous. QG, j'ai le site du crash en visuel. Je vois des tirs d'armes légères provenant du cockpit. Demande autorisation de lancer mission de sauvetage. Compris, de 5. Vous ne serez plus à distance de sécurité si la bombe explose. Vous avez bien compris? Bien compris, on sait parfaitement quels sont les risques. D'accord, donc D'accord, de 5, comme vous voulez. Tentez de récupérer le pilote, terminé. Certes, ah ouais. Entendez, quelle est votre situation, à vous. Changement de plan, on va devoir. Ici, il est mort. Ah, vous voyez. L'ennemi approche. Elle va mieux, on est d'accord. J'ai vraiment besoin d'aide ici. Ouais, bah allez. On arrive, t'inquiète pas, alors. Ah oui, c'est vrai, il y a le temps. Alors là. L'idée va être simple. De 5, l'ennemi progresse parallèlement. Attends parce que je suis prêt à parier que le dernier renseignement il est là. Non non. Merde. Ah j'ai plus de balles. Ah mais oui je suis pas avec la batteuse là. Oui bah attends tu permets je recharge. On va quand même essayer de se rouiller là. Allez, allez. C'est bon, je l'ai, vas-y, je prends des balles, mais on s'en fout! Allez, allez, Nico, on s'occupe du feu, allez! Voilà. Ici Bandit 2-5, je suggère. Alors, bah, j'aurais pas eu le deuxième, je suis un peu déçu. Parce que je sais que là, la mission va se terminer. Waouh, merde, je prends des balles encore. Alors, pareil que lors de la mission du marais. Ah merde, merde, merde. C'est pas fini encore. Voilà. Là c'est fini. Ça va secouer dur, tenez bon. Check, puissance maximale.
Donc c'est la fin de cette mission, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas pour le deuxième renseignement, j'essaierai de le prendre en off. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Lyon 69, on va se laisser sur cette belle nucléaire, on va se prendre dans la tronche. Pour la suite, c'est très prochainement. Voilà, c'était Lyon 69, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.